Gon ti proverbe créole qui dit za fait ti nèg c'est mystère. C'est pas menti, c'est pas menti. Nous ancien président Michel Joseph Martelly, li gen grain, li gen grain passé bérégène. Ancien premier ministre Laurent Lamotte pas ka kembe encore. Et li resi bay raison qui la cause Michel Joseph Martelly te poussé dol mettre le dehors dans tête primature comme premier ministre. On pral saisi tande qui ça te gagné entre deux monsieur ça. Mais rete là, on pral baou détail. Non la Tibonite gang sa vie en luxe on a dirigé son paquet de bête féroce, son paquet criminel yo et tout bon. On pral montrer nous une vidéo dans un petit moment. Côté bandit dans sa vie kidnappé un paquet grand moun. M'parle nous de grand moun, m'a parle nous de petit grand moun yo kidnappé pendant plus passé yon mois. Moun yo fè nan men ravisseur yo, lè yo resti libéré yo, même marché grand moun yo pa ka marché. Ah, bagay yo grave nan pays d'Haïti. Et nan pouvoir l'état gen nèg ou tande ki se complice gang yo, ki se complice bandi. Bonne nouvelle pour PNH. Eh bien, la police nationale d'Haïti rive mette domi nanje, yon nan bras droit vite l'homme qui se coordonnateur en paquet activité gang ka fait entre Pétionville et Forjac. Eh bien, la police a fait bel coup de filet et on l'autre bois toujours dans la localité Savien, côté gang Luxon a dirigé. La police a annoncé plusieurs arrestations qui fait moun ki nan gang nan, moun ka fait antenne, ka fait tout est pour bandi Savien yo. LCI, qui se enchaîne dans la télévision dans le pays la France, commencer à parler de guerre civile qui gagne en Haïti. Là, ils ont allé très loin, côté au même rivé fourré droit, non, j'ai communauté internationale, là, qui était croisé bras, à garder, moun, qui a perdu la vie, dans le pays d'Haïti. Toutes les formations, ça va, quand pile, nous portons pour vous dans la vidéo aujourd'hui, hein. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous sommes, espérez nous en forme. M'espérez nous parler là pour nous gagner une très bonne semaine d'information. Si vous faites tomber ce channel là, m'invite à vous abonner ou sous TAC 509, tout haïtien connecté, les poussées haïtiens, faut que vous connectez pour joindre une bonne genre d'information. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix, on n'y est pas changé, nous là pour nous informer. Yo. Avant même nous rentrer dans l'information, eh bien, je dis là, il y a deux fanatiques inconditionnels émission, inconditionnels plateforme, qui a fêté yon nouveau printemps. Jodi an, c'est anniversaire Jean-Paul Inis, yon fanatique inconditionnel émission, yon garçon vanyan qui toujours là, qui toujours disposé, qui toujours disponible pour le parler de pays, pour le faire débat sur situation pays. Eh bien, jodi an, monsieur Paul Inis, dans toute équipe là, n'a pas souhaité yon joyeux fête d'anniversaire, continuer que même énergie de positivité, continuer à être mounouir, continuer à investir dans la bataille pour changer pays, parce que en tant qu'haïtien, c'est ça nous besoin garçon vanyan, nous besoin femmes vanyan qui pas peur mettez pied au dans l'eau pour pays yo Haïti. Et nous gagnons Marie Hippolyte lui-même qui sont femmes jam qui a fêté jodi en 75e anniversaire. Très cher, nous souhaitons un joyeux cet anniversaire, rete mounouye avec même énergie de positivité à belle négresse, belle femme jam, belle femme courage qui pas peur bataille, qui pas peur travail. Quoi dans l'éducation qui croit dans le changement. Eh bien, n'a profité dans toute équipe là souhaité joyeux cet anniversaire à deux super branchés ça deux fanatiques ça avec toutes amis qui a fêté jodi an yon anniversaire yon occasion spéciale n'a souhaité joyeuse fête continuer kembe même énergie de positivité en continuer pas peur bataille pas peur affronter la vie an. C'est dans affronter la vie n'a besoin bout de la vie n'a privé sorti dans situation difficile. Nous y a. Eh bien, mes amis, vous ne chargez pas camper ces informations, nous pouvons information yo en pile et faut que nous partager toutes nouvelles yo avec vous dans bon timamite. N'a commencé dans ça qui gagne pour avec pays la France côté que gagne une chaîne de médias LCI qui lui-même lui commencé parler là de guerre civile qui est en Haïti, hein, suite avec notre que ministère de la justice et sécurité publique te mette dehors, côté que, yon rappelé population, ça yon gagne comme droit de légitime défense, comme droit yon gagne pour yon défendre tête yon, alors que, obligation principale l'État, mission principale l'État, c'est garantir sécurité, c'est mettre sécurité sur tout territoire pays pour permettre à ce que population, pour permettre à ce que chaque grenadier ait circulé librement dedans pays. Mais comme,
yo manke ak obligation yo, kom yo menm yo pa la pou yo met sécurité, yo son parti nan problème, yo son parti nan gang kap terrorize population, soit parce que yo gen relation ak bandi, soit parce que yo finance bandi, soit parce que gen moun nan l'état, nan système justice, nan appareil justice kap libere bandi, kap pran l'argent nan men bandi pou libere yo. Et bien jodi an la, c'est nan situation catastrophique, nan chaos généralisé ça nouye, côté gang ap gang ap terrorize population, gang ap traumatize ti moun par rapport avec bal kap chante tout jounen nan zorey moun, agression moun yo ap subi la kayo, mais situation compliqué. Mais gros bagay ki extrêmement important pour me partager avec aujourd'hui, hein. Peut-être ou pas konnen, le fait que communauté internationale là, le fait que Nations Unies, le fait que OEA, corps groupe BINU, différentes structures internationales ça yo, yo mette pied yo sou kwa Haiti, yo kwaze bra yo, yap gade sa kap pase en dedans pays d'Haïti. Hein? Nous finalement comprendre ces mauvaises foi qui gagne, c'est un manque de volonté qui gagne par bon côté acteurs internationaux pour yo aider Haïti résoudre problème de sécurité là dans là. En 2005, Assemblée générale des Nations Unies, yo te introduit yon concept qui relait la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger, hein? Lui fait référence automatique avec responsabilité yon pays gagné ou bien responsabilité instance Nations Unies gagné pour protéger population pays yo, pour protéger yo contre génocide, pour protéger yo contre crime de guerre, pour protéger yo contre crime contre l'humanité. Eh bien je ne jodi on a constaté nan niveau insécurité, bon, nous presque pas parler de insécurité. Nan niveau bandi a créé chaos en dedans pays. Yon nèg exam tout côté passé en dedans la République, c'est nèg exam qui a fait la loi, c'est nèg exam k'ap dou ki lè pour sortir, c'est nèg exam k'ap dou ki lè pour rentrer, c'est nèg exam k'ap dou ki lò ka circuler en dedans pays. Bagay ça a vinn créer en confusion absolue, en confusion totale, côté on pas ka konnen qui est k'ap diriger, est-ce que c'est nèg cravate, est-ce que c'est nèg sapato k'ap diriger, parce que journée jodi an c'est la loi du plus fort. Et qui est-ce qui montre au plus fort? C'est nèg ki gen zamyo. Eh bien, responsabilité de protéger, hein, c'est une obligation que l'État a gagné pour protéger la population. Et si toutefois, l'État manque à obligation pour protéger la population, pour protéger les citoyens, Nations Unies, communauté internationale a intervenu. Communauté internationale a intervenu et ça a entraîné une intervention internationale en dedans la République. Gagne deux cas yon envisagé. Premier cas yon envisagé, c'est le l'État pavlé. Et l'État, ça, son l'État voyou, son l'État est corrompu, son l'État gangsterisé, son l'État gangster lié. Donc, dans la situation, ça, communauté internationale, là, qui a intervenu, côté à bon intervention internationale, soit côté à voyer militaire étranger, soit côté à voyer un support technique à la police, etc., pour venir renforcer sécurité, pour venir mettre sécurité en dedans la République. Ça, c'est dans le premier cas. Premier cas, c'est l'État ne veut pas et il s'agit d'un État voyou dont il faut changer le régime. Deuxième cas, côté Nations Unies qui a intervenu, côté communauté internationale qui a intervenu pour protéger la population, c'est côté l'État pas capable d'agir parce que l'État ça, son l'État faillié, son l'État doit être reconstruit. Est-ce que vous entendez bien? L'État pas capable de mettre sécurité. Son l'État qui faille avec mission, c'est on l'État qui faille avec obligation, rapide vite, communauté internationale, bien Nations Unies, t'as supposé intervenir pour lui régulariser situation, pour lui mettre l'ordre dans les ordres. Dans le cas Haïti, là, nous avons considéré que l'État n'a pas agi, et yon l'autre bois, son l'État qui faille. Depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, mes amis, nous avons pays qui pas qui sorti net dans ça qui relait l'ordre démocratique. OK, constitution pas respecté, nouveau premier ministre là qui encore impliqué dans assassinat président, nous gain un gouvernement là décrié majorité membre gouvernement ça tant autant de la corruption, tant autant ou tant de relation de proximité à gang bandi. Et ça qui plus grave là, c'est façon que pouvoir réel là a organisé la justice en dehors de la loi, en dehors de la constitution. Donc, qui ça nous attend?
Dans deux cas de figure, ça, soit parce que l'État pas qu'à agir, ou bien l'État pas voulu agir, dans deux cas de figure, ça, c'est un rôle communauté internationale, bien Nations Unies, pour lui-même, pour t'a intervenu, pour le régulariser, pour le mettre la paix, pour le mettre tranquillité, stabilité, de manière à ce que pour empêcher qu'il y ait un crime de guerre qui fait, un crime contre l'humanité qui fait, un génocide qui fait, une guerre civile qui fait. Mais dans le cas Haïti, là, ça n'a pas gardé, là, première hypothèse, l'État pas qu'à agir. L'État pas qu'à agir. Ce n'est pas vle Ariel pas vle agir, on dirait bien, mais yon pas qu'à agir parce que yon gen relation avec gang nan, yon nan gang yon tout, yon se bandi yon tout. Donc, comment on pral agir quand on groupe nèg que nous mande service, quand on groupe nèg que nous instrumentalise pour te chavirer, pour te touye Jovenel? Comment on pral agir quand on groupe nèg qui tap servi avec nous, qui te bon côté nous? Nèg yon vin nos difficultés formelles pour yon agir contre gang yon, yon pas qu'à agir. L'État failli, ou pas qu'à ajouter, ou pas qu'à mettre sécurité qui c'est première mission, tout l'État. Donc, ou failli avec mission, ou failli avec obligation. Mais qu'on y a une troisième hypothèse, une troisième alinéa. Communauté internationale, qu'on y a même tout, yo parle agi. L'État pas qu'à agir, communauté internationale parle agi. États-Unis, Canada, et tout croisé bras, yo y a regardé. En dehors des Nations Unies, yo vin voté résolution 2653, yo dou et que yo a enquêté, yo a fait des études sur situation pays, yo a consulté différents groupes, différents experts pour parler de cause haïtien, de dossier haïtien. Au final, pas rien réglé. Pas rien qui réglé. Gouvernement qui là, yo pas voulu faire merde, communauté internationale là le croisé de bras l'a regardé. Et bien dans demain ça, LCI qui sont chaîne de télévision française, lui-même lui commençait parler de guerre civile qui gagnait. Et dans moment là, contexte de guerre civile là pour médias internationaux, yo considéré comme point central yo. Pour qui raison? Du fait que gen médias étrangers qui parlent de guerre civile, gen médias étrangers qui parlent de génocide dans moment là, et même en Haïti nous soulever mot ça, c'est des mots qui récurrent et qui viennent tout le temps dans débat. Gen différents invités mot se voient dans espace libre opinion, yo même yo fait approche de guerre civile là, yo fait approche de génocide qui gen là, mais chaque mot ça a une sens. Guerre civile là bon contexte où utiliser, génocide là bon contexte où utiliser. Est-ce que en Haïti là nous face avec génocide? Est-ce que en Haïti là nous face avec une guerre civile? Ça yo extrêmement important. L'on utilise concept ça, on utilise notion ça, c'est pour attirer attention communauté internationale là. C'est pour attirer attention le pays pour dire que hé, kapé là, ça qui passe en Haïti en li dégradant. Niveau insécurité qui gagne en Haïti là, nous pas qu'à continuer avec elle. Niveau crime qui gagne en Haïti là, nous pas qu'à continuer avec lui. Le fait que nous assimilons ça qui passe les actes terroristes qui gagne en Haïti là, le fait que tout nèg exam yo a rentré comme moun terroriser moun met moun dehors faire haïtien tourner refuge dans propre pays yo, ça doit attirer attention étranger yo, ça doit attirer attention Nations Unies, li doit attirer attention OEA, li doit attirer attention l'autre organe régional yo, l'autre instance régionale yo pour yo ouais que situation qui gagne dedans pays en lien soutenable. Nous pas qu'à continuer dans logique côté ces gangs qui terrorisent nous, côté gang qui kidnappe nous, côté gang qui torturer nous. Mais honnêtement, faut moi dire non. Nous ouais question guerre civile, génocide, y a parlé là combien dedans pays hein. Bagay ça depuis événement 6-7 juillet 2018. Depuis l'opposition politique là t'es lancé premier mouvement pays l'Oclan. Bagay sa yo te concept sa yo, mot sa yo te rentre nan débat dedans pays. Pour qui raison? Parce que, nan moment koto wè, yo mette haïtien en face haïtien, yo mette tout ton population en face yon gouvernement qui te démocratiquement élu sous prétexte que y a défendre souveraineté pays, sous prétexte que nèg André Michel yo, Nenel Cassio, qui yo même yo te nan tête opposition politique, yo tap défendre bien net, yo tap défendre la vie, etc. dedans pays. Mais au final, l'on pral réalise quelques années après, tout discours nèg sa yo, tout sa nèg sa yo tap dou, qui tap pousso vers la guerre civile, qui tap pousso vers un génocide, parce que génocide là, l'on parle de génocide. C'est comme si c'est élimination yon groupe moun suivant des caractéristiques bien précises, soit sous base race, soit sous base religion, soit sous base appartenance politique, etc. Mais imaginons, les nèg yo te vini avec question mouvement pays lok, 6-7 juillet 2018 là.
Si opposition politique là te dit yo a placé pays lok là yo t'a pral tout yo bien t'a pral attaquer tout monde qui était pro Jovenel, tout monde PHTK yo, tout monde qui t'a supporté président Jovenel Moïse. Nous est qui ça t'a gagné dans la République? Nous est qui ça t'a gagné dans la République? Peut-être non moment ça. Non moment ça comme tout projecteur te braqué sur opposition politique là et ça nèg yo t'a véhiculé t'a vendre comme discours là. Population te bouel, yo te prenne la main yo. Donc, nous pas vraiment mettre focus. Mais depuis après assassinat président Jovenel Moïse, jusqu'à journée jodi an la, nous voyons que pouvoir l'État kounye a, le fait que l'État choisit faire silence, l'État faille avec mission, l'État son l'État qui incapable yé, moun ki entre dans l'État ou dans tête l'État ou dans des postes de responsabilité, son paquet incapable yé, kounye a se nèg sa yo. Qui a fait prédiction pour une guerre civile. C'est Nexayo qui a fait prédiction pour un génocide. C'est Nexayo qui a fait prédiction pour gagner affrontement dans la population. Parce que l'entendez, c'est moun qui sont censés la couper sécurité. Cap dou défendre terre tout pourquoi? Cap dou chercher défendre terre tout créer conditions pour défendre terre tout. Là l'État pas besoin de l'autre bagarre encore ou même qui ramasser paquet pour aller c'est aller parce que l'État nous le pas capable encore. C'est accepter incompétence yo, c'est accepter échec yo, c'est accepter faillite yo. Et yo l'autre bon puisque yo en faillite yo pas qu'à faire merde, et bien bandi en prend la relève, bandi yo assumer yo même, ça yo gagner comme peut-être mission comme yo gagner un agenda, yo gagner comme comme objectif yo fixé tête yo. Gang sa vie yo pas suspend théoriser population, yo pas suspend si maïla tout blaye. Eh bien, pendant moi qui sont passé à l'al, te gen yon kidnapping que bandi sa vie yo te fè. Le sa, réseau an te alerté, réseau an te chaud parce que yo te kidnappé yon machine qui te plein grand moun la don. Sou yon moi yo pral libérer moun yo, ou pral saisi wè, ou pral partager vidéo avec, ou pral wè, nan ki état. Le odou, neg sa vien yo, neg la tibonit sa yo, c'est criminel, c'est gang yo ye. Son paquet sans maman, sans papa, sans que, sans foi ni loi yo ye, pa gen menti nan sa. Yo libere grand moun yo, vérité, mais marche moun yo pa ka marche. Moun yo a tremble, moun yo pa ka marche, même parle moun yo presque pa ka parle, on moi, nan men ravisseur, on moi a traumatisé, on moi sous stress. Bon ça quand même rive moi pour jambe moi état moun ça on pas même quoi moun ça yo manger parce que on regarder ces moun c'est tout on y prend moun yo al mettre yo sous cabane l'hôpital pour yo ba yo sérum pour yo ba yo soin de santé parce que son paquet moun qui anémie son paquet moun qui déshydraté moi même moi ouais on nous garder ensemble et après libération moun yo leur proche te al récupérer yo dans sa vie pour yo rive rentrer la caillou on va regarder comment bagaille en grave. OK, ça c'est ton temps maintenant route là. Les gens sont passés. Haïti, c'était moi-même en pays même. Kidnapper nous, nous fait 30 jours dans le pays. On passe misère. Il ne faut pas manger une sortie loin. Bon. Merci. Il faut sortir plus facile. Bon, vas-y, bon, merci. Ok. C'est les gens. Ok. Attention, ou attention, va tomber, cap. Ok. Ok. Mais on grand monde. Mais on grand monde. Mais grand monde. Depuis 7 février, fait combien en mois? Et moi fait juillet. Moi 15 jours. Non, de demain qu'a fait c'est qu'a fait moi. Demain a fait un mois. Jeudi à 6. OK, on grand monde 80 ans même. Depuis 7 février. Jeudi à 6 demain qu'a fait moi. On a les là maman. Demain mardi qu'a fait moi. Non papa. Mais pas avancer. Yo a peine libéré là, me fait ce prend yo. Là, côté ouais monsieur, là non, et là on a passé. Hein? Et là me fait ce prend yo. Yo là, on a la rivière là, me fait ce prend yo, mais on a la rivière y a bien. Yo demain un mois. Mais un mois yo vient là. Mais on a la rivière là, c'est bien. Coulez-vous, on a dit. Eps, fais rapidement, coulez-vous, on a là. On a là. Ok? D'accord. Mais yo, yo te kidnappé yo, mais yo, on a la rivière. Ok? Non, j'en ai admettez le bon. Admettez le bon, bon affaire. J'en ai le bon affaire. Mais jambé, le bon affaire. Non, fait sortir ça, viens se prendre mon zaou là.
Nous faisons sortir ça, viens se prendre mon jaune, mais non, toi. Mais, ok? D'accord, mais abjambé là. Bon, mes amis là, si Haïti pas fini, qui l'a fini encore là? Si après ça, on se regarde dans la vidéo, gang ça vient qui a capacité pour qu'il y ait kidnappé pendant un mois. Pendant un mois, ça, pas aucune opération, pas de démantèlement qui fait. Si on ne paye pas fini, qui l'a fini là encore? Parce que c'est gang, c'est bandit, c'est eux-mêmes qui font la loi, c'est eux-mêmes qui décident est-ce qu'on doit vivre, est-ce qu'on doit mourir, alors que nous avons autorité la police, nous avons autorité la justice. T'es yon ti rencontre, ou m'a vin sou bay ça avec nous parce que li important, m'te parlé de ça déjà. Joune jodi an la, tout j'ai fixé sous communauté internationale la, pral vini de Haïti, tout y bandi, tout y gang la kay nou, rive mette sécurité de dans pays yon, tout j'ai braqué sous États-Unis, tout j'ai braqué sous Canada. Mais quand vous êtes toujours là, oui? Question sécurité en Haïti, question bandi en Haïti, parler de crime, parler de génocide, de guerre civile, concept ça yon toujours là, Nations Unies est toujours là. Oh, t'es toujours là, corps groupe t'es toujours là. Nous comprenons? Yo t'es toujours là, mais qui ça a été fait pour aider vraiment? Qui ça a été fait pour supporter? Non, on rencontre que Macron, président français, te gagné avec président Congo, la République démocratique Congo, Félix Tshisekedi. T'es un groupe point qui est extrêmement important que Macron te soulevé avec président et congolais. Qui te attire attention? Le la parle que la France pas fait rien pour aider Congo face à pays Congo par rapport avec l'autre attaque, l'autre affront que pays Congo a subi de pays voisins lio. De l'autre pays qui a côté, le cap attaqué, etc. Tant que par exemple, yote pren le cas du Rwanda. Yote pren le cas du Rwanda qui a financé groupe armé en dedans République démocratique Congo. Mais bon, m'dou ki sa Macron te dit. Macron te dit, président Tshisekedi que. Est-ce que c'est la France qui fait la justice dans le pays ou pas marcher bien? Est-ce que c'est la France qui fait la justice dans le pays ou à tes plates? Est-ce que c'est la France qui fait la corruption dans le pays ou? Sou ka répond une question ça yo, le ça ou ka mette responsabilité à sous de la France. Journée jodi an nous sérieux peut-être pas nous. C'est vrai communauté internationale toujours gen part de responsabilité et nous pas jamais dédouaner yo. Nous pas jamais dédouaner OEA du fait que dans l'élection qui était faite en 2011-2012, yo, yo pren matel, yo vin mette sous pouvoir, yo mande changer résultat élection, yo mande préval changer résultat élection au profit de Michel Martelly. Nous pas kablie yo, parce que yo gen yon tendance, c'est moun qui pas kabay résultat, c'est moun qui pas vle bay résultat, c'est yo même pour yo choisi mette, yo pas jamais quitte vote populaire la passé. Mais jounen jodi an nou conscient propre tête, nous. Système justice, c'est nous craser. Corruption, c'est nous mettre. Négat, c'est politicien, c'est le secteur privé en Haïti qui fait alliance avec eux, qui finance eux, qui supporte eux. Ça, il y a des séries de bagailles qui sont basiques dans le pays. Nous, c'est nous-mêmes qui pour résoudre eux. C'est nous-mêmes qui pour porter solution avec eux. Et en pile fois, la communauté internationale, elle croise les bras, garde nous. Il y a gardé nous qui fait quoi, il y a gardé nous qui fait AA pour qui ça? Parce que, yo, ouais. Yo wè nous même tout acteur yo pa gen volonté pour yo résoudre crise yo vinn pa gen volonté parce que yo même tout yo sont parti dans crise. Faut nous honnête avec propre tête nous, faut nous honnête avec propre tête nous parce que insécurité qui gen la gang kap sima et la trouble en dedans pays que n'importe où presque que dans ville de province journée jodi a n'a parlé de gang avant mais ou fin mettre porte presse avant faut parler de l'Antibonite. Faut parler de ça vient et ça vient. En pile fois, nous toujours tendez Abdou, c'est X, c'est Y, c'est Z qui va examiner dans la Tibonite. Nous toujours tendez, mais qui ça la justice fait? Qui ça la justice fait? Qui ça commissaire du gouvernement fait? Qui ça la justice fait? En rien, y a pris l'argent dans mes gangs, y a pris l'argent dans mes gangs avec sa patte, y a pris l'argent dans mes gangs avec cravate, et puis payant, quitte le marché. Son pays quitte le marché lié. Eh bien, la police nationale d'Haïti, annoncé, la police précisément dans ses marques, qui était accompagné de parquet juridictionnel, ils ont annoncé arrestation 5 individus à Potri, en localité qui est située dans la commune Liancourt. Eh bien, 5 gros coureurs que la police rive mette en bas code là, c'est Mario Joseph, Jean-Rob Gadella, alias Pouchon, et Jefferson Saintus, ils ont arrêté 2 sœurs qui dans gang, mesdames, ça, ils ont joué rôle tout, ils ont joué rôle antenne pour base gang Griflan dans sa vie. C'est Berveli avec Imelda Servius, ils ont arrêté, et puis ils ont arrêté T.
ténor Serus. Monsieur Damzayo, c'est gang yoye, c'est bandit yoye, y a opéré dans gang Savien que Luxon a dirigé côté que yo mette Saint-Marc, yo mette moun la Tibonite, moun Liancourt, moun Savien, moun Deschapel, moun Verrette. Moun yo mette yo sans position. Moun yo pa gen relé, yo pa gen répondre, yo pa gen crier, yo pa gen ah, situation vraiment difficile dans la Tibonite côté que gagne bal Savien qui par jambe suspend terroriser population. Yon l'autre bon hier et hier dimanche 12 mars pendant que et la police nationale d'Haïti yon bon population yon l'autre bon n'a commémoré, n'a souvenir, n'a pensé avec drame ça qui t'est passé et non qui t'est passé dans village de Dieu. Côté gang 5 secondes, Izoa, t'es massacré, t'es touillé, t'es assassiné, même cadavre. Six policiers n'ont pas de récupérer, famille n'ont pas de récupérer. Eh bien, les gangs, les bandits, les gangs, même, qui ça a fait? Eh bien, pendant hier dimanche, ils ont décidé, ils ont attaqué, ils ont chablendé, ils ont attaqué les policiers, ils ont mis du feu dans le char. Mon cher nèg kanaran sa yo, yo pas suspend ba problème pour qui ça parce que la police t'est rivé arrêté yon certain Adler. Adler sa li même qui s'est sié, Adler c'est deuxième chef gang dans la Fito. Deuxième chef gang dans la Fito, Marqué sa dirige gang nan comme premier chef gang, li même li c'est deuxième chef gang, la police mettait l'en bas code. Une fois que la police mettait l'en bas code et nous connaît que nèg la Fito yo c'est Izo qui place yo, Izo avec Jeff Canaran. Jeff lui-même a dirigé Canaran, c'est deux alliés. Et eh bien, yo te décidé, yo pral tirer revanche, yo pral faire représailles parce que la police mettait en bas code Gauthier Adler alias John, qui c'est deuxième chef gang dans la Fito. Mais bonne nouvelle pour la police, c'est Mackinson, la police mettait dormi dans yeux. La police rivait stopper Mackinson, yo considérait lui-même comme coordonnateur activité gang que vite l'homme a fait dans Pétionville, dans Forja. À un certain moment, premier élément d'information qui vivait joindre nous, ben Mackinson ça son petit voleur, c'est qu'on a fouillé moun, volé affaires moun, volé téléphone, volé bouche moun, et puis par la suite, li pral jouen contact, li pral pre grade, li pral rentre dans gang, et puis sortant de halal, il a coordonné activité criminelle dans Pétionville. La coordonné activité criminelle dans Forjac, eh bien, la police t'a pral mette dormi dans gel, dans zone, dans place Boye, dans Pétionville, hier, hier dimanche, 12 mars 2023. Et le sabon nous dit le bon, le la police tout a passé nous tintin nous dit. Mais nous connaissons de manière générale, des policiers qui là, des policiers qui veulent travailler, des policiers qui ont dévouement, des policiers qui ont stratégie, des policiers qui ont tactique. Nous sommes tout récemment avec commissaire Xavier Seyid, bandit rentré la Kaili, il repousse bandit, il stoppe bandit. Nous sommes contents, nous sommes bravo. Nous te bat bravo, nous tellement contents. Il y a moun ki te même envie voye fleur pour commissaire là parce que ça le fait à son bagay qui remarquable. Mais tout nous connaît. Nous connaît tout par bon côté et CSPN non, par bon côté ou état major la police. Il y a nèg la qui en de l'institution, qui gen relation avec gang, avec bandit, qui gen proximité ou bien tout. Le fait que yo lié avec une structure politique, yo gon tendance politique, yo gen groupe moun pa nan politique la kap supporte yo, yo pa la pou yo bay résultat, yo seulement la pou constater dégâts. Pendant et passage président Michel Martelly nan tête administration et l'état, nan tête magistrature suprême l'état, nan tête pays comme président de la République, gon paquet et accusation, grave accusation, dénonciation qu'a fait. Gen moun ki rann pou wa PHTK responsable tout ça nan viv la comme insécurité. Gen moun de pou parle avec yo de insécurité qui gen la yo, ah ça c'est 10 ans PHTK. Bon gon zanmi ki voye vidéo nèg kanaran ka fè show off, nèg kanaran ka poste zam, y a poste avec un paquet bloc la jan américain, nèg yo pa travay, yo pa pleve ni lou ni léger, c'est nan kidnapping, c'est activité criminelle yo y a fait, mais nèg yo gen l'argent, yo moutro yo gen l'argent, yo dou yo gen l'argent, yo moutro yo c'est bon, c'est comme ça nèg yo y a fonctionné. Gen moun ki dou carrément, c'est 10 ans PHTK qui mettait pays en côté li là, et leur parle de 10 ans PHTK. Non seulement yon parle de Martelly, yon parle de Jovenel Moïse, tout. Leur parle de 10 ans PHTK de manière générale. Gen moun ki dou, sa ka passe là, c'est communauté internationale. Gen l'autre ki dou, c'est politicien. Gen l'autre ki dou, c'est coalition politicien avec nèg dans secteur privé. Ce qui est certain, c'est que pays en gen sérisé.
Ce qui est certain, c'est que plein de gars dans tout petit coin, dans tout petit coin de pays là, qui a terrorisé la population, qui a fait kidnapping, qui a fait assassinat, qui a fait viol collectif, qui a abusé la population. En bas, j'ai mouché l'État. En bas, j'ai autorité. En bas, j'ai tout dirigeant qui s'est là pour porter solution avec le problème pays. Mais yon pas zon fè rien, au final, tout le monde, même genre avec moi, même qui fait partie de la population civile, qui kopé ap gade, c'est comme ça, nèg qui dans l'État ap gade. C'est comme ça, ministre justice, yon kopé ap gade. C'est comme ça, CSPN nan kopé ap gade. C'est comme ça, Ariel Henry kopé ap gade. N'a mouri, n'a pren balle, n'a couru pour bandit, nous n'avons une situation qui est inconfortable. Mais pendant, mentalité dans tes pays, te gen des dérives, te gen un paquet de dénonciations qui t'a fait. Mais, ça qui est certain, c'est que, ça n'a vive journée aujourd'hui là comme insécurité, comme activité terrorisme de pays, elle pas comme ça. Même Jean m'a dit sous Aristide en 2004, bagarre là pas comme ça. Sous Préval, li pas comme ça. Sous transition, li pas comme ça. Sous Matéli, li pas comme ça. Sous Jovenel, li pas comme ça. Bagarre vient empirer là sous Ariel Henry. Chaque gouvernement, chaque président, chaque administration qui monte, il y a un problème pa yo. Ou pas sous Jovenel, il te dit oh massacre. Massacre a fait à gauche, massacre a fait à droite. Qui a choté un responsable? C'est le Jovenel Moïse. Mais je ne veux dire là, tout massacre ça a fait, le monde qui a mouru, le drame ça a fait dans le pays, je ne peux pas dire côté organisation doit mourir, il y aura un réel responsable. Alors que c'est responsabilité de l'État pour mettre sécurité en le pays pour garantir sécurité. Eh bien, sous Martelly, Premier ministre Laurent Lamotte, il était passé un nombre de temps dans la tête primature comme Premier ministre à diriger. Lamotte toujours dit pendant que lui-même était Premier ministre, c'est zéro kidnapping, insécurité, à pas de cause, etc. On est chaque monde a défendu une partie par eux, ça fait par eux. Eh bien, mes amis, pour première fois dans l'histoire politique Laurent Lamotte, ancien premier ministre récit par raison qui la cause, ancien président Michel Martelly était révoqué. Et révocation, ça, son révocation, même la mot pas t'attendre avec bagaïza, parce que pour Jean lui-même avec Martelly, collaboration, yo te gen, yo t'a fait promotion, Haïti ouvri pour business, Haïti ouvri pour investissement étranger, il pas de jamais attendre que on coupe ça, t'as pas arrivé sous lui. Effectivement, Martelly te décidé de voyer la mot aller, parce que la mot te rentré dans 5,50 m, puis bon en 1000. De qui est-ce la mot a parlé? Dans qui circonstance, dans qui contexte, mentalité, estomac, il était fâché parce que la mort te décide rive sous un mille, et bon, pral konn exactement qui ça va relayer. Dans yon émission que ancien premier ministre Laurent Lamotte a participé sous Gazette Haïti, ou pral jwenn tout détail sa yo, rete la, rete connecté, partage vidéo a, parce que les déclarations ça yo a bay dans la République, faut qu'on connaît yo et faut qu'on partage yo pour plus moun ka au courant de qui est autorité nous yo ye, de qui ça yo régler, de qui ça yo tap régler en dedans pouvoir l'État. T'es un pile divergent, ça veut dire que moi-même et Assad Mabzou, jusqu'à présent, c'est pas opposition qui j'étais. OK. Opposition parce que opposition faut se jeter. Faut force GT, opposition forcée, Martelly prend décision GTO. Non? Alors, encore une fois, c'est dans le Parlement pour le faire. Mais c'est pas le Parlement qui GTO. Oui, mais le forcé, Martelly dit bon, au lieu de me tomber, il GTO plutôt. Parce que le premier, c'est le fuse là. C'est le fuse là, absolument. Donc, il se saute. À l'époque, si nous songeons bien, t'es gagné opposition qui t'a manifesté. Qui t'a quitté des réclamations, ça c'est clair. Et mais pas de juger à l'époque que c'était non plus son opposition qui dégage jeté gouvernement. Ça veut dire que tu as des réclamations, un pile de réclamations était valide, tu as des dialogues, tu as plusieurs dialogues direct, tu es entamé. Mais nous venons à la fond chiffre. Alors là, ça, c'est parti qui paraît là. Mais en réalité, côté que bah, la cassé avec, tu as des problèmes dès le début. Bien entendu, ça a son problème structurel entre primature et palais. Donc, tu as des problèmes en équipe primature contre équipe palais. Équipe absolument. Vous avez un Thierry Maillard pour le nom. Thierry Maillard, bon, Thierry Maillard, c'est ton gros chef. Et comme ses amis, je ne vais pas le dire. Non, c'est ton gros chef. Mais c'est ton gros chef. Thierry, c'était un gros ministre de l'Intérieur qui était son président et qui était un bon, qui sont gros avocats.
et que quand pile monde respecté dans pays là. Bon, mais j'aime dire là tu gagné on split, tu une divergence parce que et tu secret secret d'état m'a mandé sur vous parler mais cependant gon côté bon bagaille, bon bagaille qui passé, gon côté bagaille la cassé. Est-ce qu'on senti l'elle cassé? La cassé pour moi c'est le mais côté bagaille la cassé. C'est que nous te vinn gagné une série de réformes que nous t'a fait surtout dans question sécurité. Côté que situation te vinn serré. Et côté situation plus serrée, c'est là que la police. Le a arrêté sur la famille. On parle clair. Le a arrêté sur la famille. Vous avez dit la police, c'est où qui a arrêté sur la famille? C'est où qui a arrêté sur la famille? C'est où? C'est volonté politique pas qui t'a arrêté sur la famille. Volonté politique pas, c'était zéro tolérance sous gang. Oui. Quel que soit la gang. Que ce soit, qu'on soit un gros bourgeois. Ou bien qu'on soit élément de la classe, ou bien qu'on soit malheureux, depuis on a gang, depuis on a kidnapping, depuis on a sac pas bon, politique, pam, c'était mettre en bas. C'est pour ça que trois canons bandits à l'époque, tu es en bas. On a vu sur cette allure, nous ne parlons pas de sanctions, puisque il faut garder des rapports avec gang, puisque vous sanctionnez pour question de gang, on a vu sur ça. Mais automatiquement, l'arrestation s'est faite, vous sentez que le code a cassé. Alors, je vais expliquer qui calcule l'arrestation en fait. Arrestation en fait dans le cas de kidnapping. En cas de kidnapping, qui est et Sami El Azi. Ok, je vais faire un rappel historique avec nous. C'est Sami El Azi qui sont citoyens qui étaient kidnappés. Et kidnappés, à l'époque, nous avons une rançon de 1,2 million de dollars américains. Et à l'époque, nous avons un monde qui est très compétent, qui est Reginald Delva. Ok, qui lui-même était pratiquement son spécialiste dans la lutte contre le kidnapping. Donc, qui était à l'époque, soit le secrétaire d'État, mais le ministre de l'Intérieur, embarrassant, j'ai bien. Mais il était pratiquement, et c'est monsieur qui était un spécialiste dans la question anti-kidnapping. Donc, et puis à l'époque, nous avons renforcé une cellule anti-kidnapping, la DCP, j'étais bien frappé à l'époque. Et puis, nous avons retracé appel téléphonique. Cap mandé rançon yo. Et puis nèg yo vinn konnen qui est ce qu'a fait appel yo côté appel yo a fait donc kounye la ba la vinn remonter sous ndegadi auteur et moun kap mandé rançon yo. L'el vinn remonter sous li eh bien le ba la remonter yo vinn wè en fait te besoin al fouiller kay son la familia. Donc yo vinn rendre compte que c'est son capable c'est son c'est téléphone son capable négocier c'est voilà c'est deux téléphones là que y a mandé rançon yo et son très bon ami de Michel Martelly voilà. Donc pour ça yo relèm moi même comme président de CSPN. Compte tenu de sensibilité situation, yo mande men, est-ce que yo capable fouiller Kayla parce que yo gen des sérieux indices de culpabilité, ok, parce que men, yo je n'appelle, je ne sais si, je ne sais là. Ah, ça c'est une bonne décision. Donc, t'es qui prend là? Non, mais il pas ton bonne décision, non, ça. Ou le Matéli? Ou le Matéli, est-ce qu'on a fait ça? Mérilil. Mérilil. Ça le jour. Et pour l'histoire et la vérité, il dit me fait travail moi. Il dit me fait travail. Fait travail avait dit arrêter moi. Bon. Il doit dire pas ça le dodo. Moi même fait bon moi-même non. En tout cas, vous interprétez le côté fait travail ou? Me fait travail. Me fait travail mais qui c'est qui ça? Qui c'est mandé et qui c'est dit et la police à l'époque? Écoute. Pour ça nous relèm. C'est mon cas politique que lié, c'est pas rien lié. Son kidnapper de tout l'autre. Si moun nan nous joue un indice que téléphone n'est abri les pour moi de un rançon de 1,2 million de dollars. Yo met nèg la, yo caché monsieur non tout la trine. C'est non tout la trine, monsieur. Pendant plus qu'une semaine, m'a parlé de ça, monsieur fait plus que une semaine non tout la trine. Caché. Et puis a demandé rançon. Famille, monsieur a crié en désarroi. Bien entendu, nous avons à la phénomène, ça a multiplié par 100, par 1000. Mais à l'époque, nous te voulons faire une différence. Donc la police fait travail. Qui donc a fouillé la cali, a fouillé le restaurant. Et puis, il y a une série de bagages sous lui.
et puis il y a un juge d'instruction qui met un mandat sur monsieur. Bon, au début, monsieur Devine, il devine papa, et puis après ça, monsieur, il s'est rendu à la justice, et puis monsieur était en prison. Mm-hmm. Même j'ai avec donc ça a créé, si vous voulez, une sorte de foi. De malaise. Et c'est ça qu'on y a là qui vient. Il crée un gros malaise. Bah bon, menti, parce que de là, ça a même senti que c'est une sorte de cassure. Donc, si vous voulez. En tournant avec le pouvoir, avec le pouvoir, avec Michel Martelly. Oui, absolument. Absolument. Ça, alors, que Michel Martelly dit, Michel Martelly, c'est pas de vous mettre au courant de tête ou non? Et mais c'est quelques années après, je devine réaliser ça que je devine passer, parce que c'est normal dans la balle. Ballon-le, et puis, trois ans ou quatre ans après, ballon-balle, et puis, dans la balle là, je me garde, moi, c'est son camp et devant le banan. Il était lagué. Cap, brassé, oui, il était lagué. Parce que son vin lagué. Deux ou trois mois après, que et nous sommes dans quelles conditions que monsieur était lagué. Nous songez, Lama, comment il encore? Juge Lama Belizère, il dit, monsieur, allez pas faire ça encore. Voilà. Mm-hmm. Donc, moi-même, je suis en train de quitter le pouvoir depuis trois mois avant. Le quoi, c'est M. Nambala, c'est passé? Une cassure. Le quoi, c'est M. Nambala? Le quoi, c'est M. Nambala? Non, je suis choqué. On pense que M. Nambala toujours? Non, je suis en train de laguer. Mais on bat c'est là que on l'autre bat c'est une balle donc balle comme ça brasser devant ben comme qui balle c'est balle Martelly non oui on balle Martelly waouh on balle Martelly donc même ça t'est choqué mais donc ça veut dire que vous pensez ce bagage ça fort pas pour le ministre quoi ce bagage ça qui fait commission montée pour jeter c'est pas problème pays non ça veut dire que enfin le regard au fond analyse moi été victime de campagne que nous avons menée à l'époque contre kidnapping et contre gang organisé. Et principalement gang Galila. Gang Galila, c'était une gang qui était plus puissant à l'époque. Si nous sommes bien, c'est un gang qui était plus puissant à l'époque. Et c'est gang qui était démantelé. Vous avez osé démanteler. Mais qui était bon pour tout, qui était bon pour pouvoir, c'est ça, me bat comprendre. Ça veut dire que me bat comprendre. Et c'est la map du monde déconnexion. Je ne sais pas comment vous dites ça, que je dis, gagnez un. Que ce soit, parce que moi-même, Laurent Lamotte, tout le monde est tes amis. Pour tes amis, il faut que tu aies un comportement. Ou pas, tu as un ami et tu as kidnappé les gens. Et vous pensez que parce que vous avez un ami, vous allez en prison pour ça. Mm-hmm. Et c'est ça qui vient de passer. C'est-à-dire qu'un pile de monde dans l'entourage. Dans l'entourage, je pensais que quand ça a ouvert, moi-même, si je gagne un monde que je connais, que je gagne 10 sous, que je suis dans mauvaise affaire, dans un kidnapping, dans un gang, dans tout le monde, le monde, je peux garantir à 1000% que le monde, il n'y a pas de mais normalement, là, nous viens créer un cas. Normalement, le Lamotte, ou tu fais pas, je ne sais pas pour ça, ça est tout, puisque c'était les bandits légaux au pouvoir. Ou tu fais partie des bandits légaux. C'est ça l'opposition, tu dis. Ça dit que. Écoute, c'est ça l'opposition, tu dis. Mais c'est de bonne guerre. Bandit légal là son terme non musique que Michel Martelly t'a fait et qui t'a gagné un peu de succès d'ailleurs. OK. Et moi-même pas un bandit, et moi même considère mon bandit tout au contraire. Et moi t'a combattre bandit. Et c'est pour ça que et c'est de ça que m'a dit qui t'est m'pa mixer musique là avec réalité de gouvernance, gouverner un pays. Pour moi, mais à côté de vous-même qui t'a arrêté, Nèg Bas Galil, mais l'autre équipe bandit légal là, Nèg t'a fait zak illégal dans le pays. Yo t'a volé tes moun, yo t'a pris kay moun. Donc les bandits légaux étaient au pouvoir quand même. Même si vous même ou t'es fou coup, ou t'as arrêté Bas Galil là. Bon, t'as gagné plusieurs autres qui t'ont arrêté. Oui. Pas Bas Galil seulement. Mais t'as gagné Clifford Brandt. Mais sur ça, monsieur Bala, parce que vous parlez de premier kidnapping, vous ne parlez pas de Timon Moscoso. Oui, voilà, mais c'est la ma privée. Okay. Ou gagne petit Moscoso qui eux même devine kidnappé. Et même Bala, ça a dit que vous dites que c'était la police fait. Mais investigation, vous avez tracé appel, vous voyez que c'est dans votre brut. Même bas là, c'est ton base kidnapping qui a fait plusieurs kidnappings auparavant.
Donc, bah là, écoute, moi, je quitte la police, fait travail. C'est-à-dire que la police a des m'babas restrictions. C'est deux fois arrêté Soson. La police a arrêté Soson. Non, moi-même, l'homme de arrêté, l'homme de là, c'était une fois. Après ça, il n'a pas sauvé dans la prison de Gazia. Ok. Ah, okay, c'était Clifford qui t'a sauvé. Oh, okay, d'accord. Donc après ça. C'était Clifford qui t'a sauvé. Mm-hmm. Clifford t'a sauvé. Lui-même, et les prisons, et quoi des bouquets à craser, nous sommes plus que 300 prisonniers sauvés. Bon, là, nous sommes obligés de foncer SPN en urgence, même quoi des bouquets, et puis avec ça, nous te bail l'autre pour la police, ça fait sale qu'on est pour eux, pour donc. Bon, c'est comme ça que. Mais qu'à Clifford, Brett, là, est-ce que tu as une difficulté tout pour t'arrêter Clifford? Bon, au début, tu as quelques difficultés, tout au début, mais pas vraiment gagné. Et un blocage de Gadi pour Clifford là. Parce que Clifford était tellement clair tout okay, que l'étape difficile pour un blocage. Et d'ailleurs, Clifford lui-même, d'ailleurs, dans le jugement là, ouais, que lui plaide coupable et il condamné monsieur à 18 ans prison. Mm-hmm. Donc là, pas de question. Mais c'est pour ça que, pour ça tout, pour un travail très professionnel qui était fait de la police là, à l'époque. Parce que, quand même, où tu as gagné Reginald Delva, où tu as gagné Godson Aurelius à l'époque, ou te gagne mettre ça non comme ministre justice donc te gagne c'est pas moi même de Gazi qui te fait là te gagne mon équipe qui fait et donc mais Clifford et son sont la famille de Gazi c'était et Gazi un exemple qui était tracé sous question gang avec kidnapping dans le pays parce que quel que soit mon enfant d'accord que kidnapping n'a pas une place dans la société quel que soit combien l'argent gagne. Et si il y a des monde qui est impliqué dans le kidnapping, moi-même, je vais plutôt démissionner dans le poste là, parce que je vais cautionner, supporter un gang ou un kidnapping. D'ailleurs, si je recevais instruction pour me camper, je vais démissionner. Donc, ce n'est pas vous pas arrêter sur son famille, vous avez démissionné? Absolument. À 1000%. Ou pas prendre une décision, ou dit que vous avez préféré démissionner si vous n'avez pas fait ça, ou pas capable d'arrêter sur son famille là, et comme de fait. Ben, ça va mettre en froideur, etc. Et pour une commission, il faut qu'on rappelle tout. Il y a une grosse mobilisation dans la rue à tout pour aller. Je vais négliger cette mobilisation populaire. Non, écoute, c'est clair, j'aime dire, tu as une opposition dans la rue, tu as une opposition dans le Parlement, tu as une opposition de tous côtés, et c'est ça la démocratie. Donc, je ne vais pas minimiser ça, je suis très conscient de ça. Mais ça qui est mal, c'est un mouvement interne. C'est pas un mouvement dans l'arrière ni un mouvement dans le Parlement. Donc, je voulais que tout le monde clair sur ça. Donc, Matéli pratiquement livré. Laissez-moi parler en place par Evans Paul. Est-ce qu'on a utilisé thème ça? Est-ce que M. Lagué ou est-ce qu'on a dit ça? Bon, c'est lui qui monte la commission, c'est lui qui fait arrêter, c'est lui qui bat la commission en 7 jours. Il prend sous le monde qui nomme dans la commission, il nomme 11 monde ou 12 monde. Le regard des profils. 12 moun ça c'est comme s'il réunit tout le monde dans l'opposition honnête et puis après ça il mettait dans la commission et puis il dit OK et c'est au guerre à venir moun ça c'est normal que ça dit que bah là en fait c'est ton théâtre mais est-ce que c'était pas la vol t'es annoncé que mon cher Jean-Bala est là faut t'a démissionner etc. parce que ça compte fait tout dans le pouvoir bon me souhaite que il te fait ça et c'est une barre que nous discuter après ça nous devine parler de ça et c'est une bagarre que parce que moi pas un monde qui rancunier, pas un monde qui jaloux, pas un monde qui kembe bagarre sous cœur pour monde. Donc après ça on devine, me dit monsieur Tadé. Moi même c'est coûte même devine bon. Moi connais que job premier ministre son job temporaire que lié, son job 1 an 2 ans. Dès que gagne 2 ans et demi. OK dans job là. Oui, me te juger que et travail à porte confini. Et travail à porte confini vrai. Ou est-ce que tu travailles? Est-ce qu'on peut préparer candidature? Est-ce que Martin pas de l'impression que avec le gouvernement la caisse tout partout dans le pays a est-ce que pas de l'impression comme si tu avais imposé tête tout comme prochain et monde qui va remplacer? Bon, écoute. M'baka connaît ça passer dans tête li ou ça pas passer dans tête. Ça veut dire que moi-même moi t'ai gagné un job que m'ta fait. Et moi-même c'est comme ça amener de manière professionnelle si mon job m'a fait le bien. C'est même je l'aime monter compagnie monter le bien. Les maf font bien, moi m'en fais bien. M'en fais bien, yo.
comme si m'ta dou m'ai mes demi-mesures m'ai mes fait bailler en moudachirim si m'a font ba m'a fait bien donc moi vinn engager tête moi comme premier ministre et me sorti pour me faire bien bien entendu m'a dit que tout ça me fait bon non loin de là parce que bon paquet erreur qui fait bon paquet de vue que moi je dis que probablement pas la faire dans le passé OK et ça c'est la même pas bien réseautage pardon comment ça m'a avancé et me un problème réseautage parce que là me venir et pas oublier que que bon papa m'a insisté sur le PDV gars en Haïti donc et bon souvle mais gain réseautage ça même pas non réseautage politique or l'essentiel et ça m'a dit le n'importe qui jeune n'importe qui pour génération future capable dans politique l'essentiel pour un réseautage politique sous besoin gouverner pays ça parce que pays a son petit familier son petit familier ici ça dit que l'on connait une autre OK gouvernance ou envie beaucoup plus simple et simplifié et moun comprendre ça essayer faire parce que si moun te comprendre en pile fois ça n'a pas essayer faire à l'époque si n'était un réseautage et là à l'époque gain en pile de problèmes que n'pa pas gagner parce que j'aime tout moi-même me répète ça encore une fois et me veut que ça bien passe dans l'interview ça révocation n'est sorti à l'interne il sorti par un mouvement interne il pas sorti d'un mouvement externe parce que quand même Matéli Kébé pouvoir pendant un an et après ça il fait ça le dévler vraiment OK non, il était soufflé il était prend Evans Paul pour qui t'a voué Globe pour lui Globe pas de cavoyer eux même bien sûr politiquement ça te fait souffler raison oui absolument et ça c'est une sous pas démission sous pas démission même sous t'a tombé si vous pas de jeto il t'a tombé en pile monde ouais ça OK ça c'est analyse en pile monde fait gade l'autre monde qui dit tout que te gagne de l'autre réforme que le dégât fait tout parce que quand même parlement monsieur vin te gagne des accords fait avec parlement par exemple OK pour parlement te rete dernière année ya, au lieu que te voye parlement aller parce que ça vient passer c'est que démocratie en Haïti elle fait ton genre pour que gagne pour pouvoir séparer OK le pouvoir concentré dans mon seul monde ça lui même il vient sujet de toute attaque tout monde il est comme ça pour une fragiliser mais souvent pense absence de problème connaissance de milieu ya Matilde Levon bonjour Matilde Donald candidat et pour venir entrer dans l'état bon c'est pas ça c'était un manque à gagner pour une faiblesse et ça tout il prend des conséquences sur gestion nous comme gestionnaire de l'état pendant période ça bon écoute oui et non ça veut dire que rôle président c'est pas pour en fait c'est pas pour diriger les opérations au quotidien du gouvernement rôle président c'est comme si nous avons un président dans le conseil d'administration. Ça dit que monsieur a gouverné, c'est lui le chef de l'État. Le chef, c'est monsieur qui chef élu à Mdegadi. Mais j'ai aussi sur 87 là, et Gebara là, c'est que c'est le premier ministre qui dirige Mdegadi, l'action gouvernementale, c'est lui-même qui pour normalement et gérer quotidien. Donc c'est le, et ça a son autre problème encore, parce que ça, dès le début, et où est-ce que ça passe dans le système politique nous, dès le début, où est-ce que il y a des clashs pour faire. Et c'est pour ça qu'on pourrait le ministre en général lui dire en moyenne 12 mois. Non, parce que coup entré, on commence à prendre. On fait 4 ans. Coup entré, on prend. On fait 4 ans. On fait 3 ans. On fait 2 ans et demi. Ah oui, on fait 2 ans et demi. Et bah, c'est aussi le ministre. Oui, c'est vrai. Dans la tête, comme c'est 4 ans. Donc, vous faites tellement intéressé en pile parce que c'est un premier ministre qui fait plus longtemps et non, comme premier ministre. Donc, bon, vous faites, mais jusqu'à présent, c'est 31 mois. Oui, oui. Et, donc, Kounia là, donc, Kounia, nous, il fait un point côté que moi, et Matéli fait commission. Hein, et il met dans la tête commission Reginald Boulos. Il met ensuite limite Gabriel Fortuné qui était fait des déclarations à l'époque qui était incendiaire on déjà dit OK contre gouvernement et ensuite limite et plusieurs autres monde en dans commission et puis le sort était joué depuis commission a été fait commission vin tourner un artifice OK pour yo voir mal qui pas ton écoute moi même j'aime dire c'est pas que m'te besoin kebe job là ou quoi que ce soit moi même c'est la manière si je te dis mon cher démissionner OK nous pas besoin encore
Parce que moi-même, je suis un professionnel. Même moi-même, qui traite Bayo en professionnel. C'est-à-dire que j'aime dire, je ne suis pas un politicien traditionnel. Je ne suis pas un coup dans le dos. Je ne suis pas question de coup dans le dos. Je ne suis pas question comme si trahison. Je ne suis pas question ça. Moi-même, si besoin aller, ou besoin de dire, mon cher, même j'en dis, mon cher, fin bon coup de main, fini, dit, ok, mon cher, merci en pile. Ok, besoin de mettre l'autre monde. Thank you very much. Et bien, fin. Vous pensez que c'est une trahison, son coup dans le dos, Jean-Luc Assez. Bon, je pense que c'est inélégant. Je pas dit son coup dans le dos, mais c'est inélégant. Que vous avez passé pour parler d'artifice, pour parler de monde, alors que vous avez dit, et pour des autres occasions, je vais mettre démission deux fois auparavant. Ah bon? Pour des autres, bah, oui, je vais mettre le président démission deux fois, que je ne vais pas accepter. Pour quelle raison, par exemple? Et puis que. Non, je ne voulais pas rentrer, dans le détail là. Mais je dis que deux fois auparavant. Pour okay, le mettre toujours? Et six mois après m'entrer, et dans le 18e mois, ok, je remets le président démission deux fois, parce que le conseil de bail qui t'a fait que je ne suis pas d'accord avec eux. Bon, bail ça devine corriger. Donc nous devine entendre nous, et puis après ça me continue. Mais c'est pas trop, ça m'a dit, c'est pas trop. Ça veut dire que le problème est tel. C'est jouer la première, tout est facile. Le problème interne, vous avez commencé au début alors, vous avez un petit problème interne depuis le rentré alors. Oh bien sûr, depuis le premier jour. Depuis le premier jour, regarde, bon, ma bon exemple. Le nom même, premier ministre, ok, moi-même, moi j'étais ministre affaires étrangères, ok, et moi j'étais à l'aise dans le ministre affaires étrangères parce que j'étais fait comprendre, j'étais dans 4 mois, ok, moi j'étais dans plusieurs bars pour faire tout. Bon, nous venons nous même premier ministre. Mais là, on a même premier ministre, dans le document officiel, là, on a même trois mondes. On a même Anne-Valérie, on a même Thierry, et puis on a même moi-même. Donc, là, on fait ça comme ça. Automatiquement, qui passe là? C'est ennemi. Absolument. Mais il n'est pas obligé de faire comme ça. On va dire, non, pour ça, vous voyez trois mondes, et puis dans trois mondes, ok, ou. Monsieur, j'ai un problème. Monsieur, j'ai trop d'amis. Maintenant, comment est la relation entre moi avec Michel Martelly? Vous êtes encore des amis? Ou bien est-ce qu'on ne se parle plus? C'est fini entre moi avec Michel Martelly? Politiquement? Ou bien amicalement? Bon, nous avons une relation. Nous avons une relation cordiale, une relation amicale pendant et après peut-être de 2017 à 2019, ensuite après ça, bon, nous devine comment ça parle encore, mais depuis environ 20 mois, depuis l'amour Jovenel, là, nous pas en contact. Donc, vous fâchez avec monsieur pour l'amour Jovenel. Comment est Matéli Jibay Jovenel, l'amour Jovenel? Est-ce que c'est ça qui prend le problème, nous? Jean Matéli, PHTK, Jean-Michel Jovenel. Moi-même, écoute, moi-même, une. Je voulais être entier dans sa affaire. C'est-à-dire que si nos équipes et grand monde qui mourit dans l'équipe là, il faut que cette équipe là arrête au moins solidaire à Jovenel, au moins à défunt. OK? Donc moi-même, je ne suis pas d'accord. Nous avons des divergences d'opinion sur la manière que EPHTK a été géré par là. Et deux, je suis un problème tout sur le fait que. Et le président Martelly a décidé d'être en silence. Or, je ne vais pas juger moi-même que l'assassinat de monde que vous choisi ou aller chercher le monde juste au du nord, ok, pour venir diriger un pays, moun nan gen, madame, les petites, c'est où mettre le monde dans la politique, je vais juger que c'était très inopportun et inélégant pour pas prendre tête mouvement justice pour Jovenel. Vous connaissez que vous accusez Martelly et PHTK dans la mort Jovenel, vous entendez ça? Ah oui, même pas Gabriel Fortuné dit c'est pas même qui mange qui tue Fiel. Aristide c'est qui hein? Qui a maladie encore? Qui a Aristide? Mais Chatak mange chat là. Oui. Mais mon fou saisi. En pile monde dit ça. Mais moi-même moi été conséquent avec tête. Mais si m'pa rien. Et d'ailleurs moi victime de ça, de accusation gratuite sans preuve. M'pa bral rentrer dans la même logique ça. Et c'est pour ça que je demande une investigation. Une investigation internationale qui pour déterminer responsabilité. Pour ne pas renvoyer monter. Parce qu'en Haïti, nous sales. Nous absolument. Sal, absolument. Nous absolument. Absolument. Mais Gombagay tout yo dit qui est capable à la base des divisions avec Martelly, c'est le fait que
D'ailleurs, il dit c'est peut-être ça même où tu rejoins Jovenel. Le fait que Jovenel pour arrêter les bords des charges. Donc, il met Kandi et que Martelly lui-même pas d'accord avec Bagaïza. C'est comme si automatiquement tu as gagné des charges ou une candidat. Donc, Martelly tout lui-même ni candidat. Donc, ou capable de venir obstacle. Est-ce que ça, ou t'en dis dans les oreilles? Moi, j'entends ça. Et, moi, réfléchis bien. Pour moi-même, premièrement, on clarifie la question arrêter ça, ou décret qui baille des charges là. Ou décret. Décret qui baille des charges là, sont décret que le premier bénéficiaire de ce décret, pour une guerre civile, alors tout le monde dit c'est Laurent Lamothe, pas vrai? Non, son décret, mais, son arrêté, un décret qui dit, il prend pour. Voilà, c'est ça, on dit. Mais quelle est la réalité? Ça, c'est la perception, mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que le premier bénéficiaire de ce décret, il est le premier ministre Ariel Henry. Ah bon, comment expliquer ça? Parce que le premier ministre, mais le premier ministre Ariel Henry était ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires sociales, il n'a pas de décharge. Et pour tes noms, les besoins soient arrêtés immédiatement. Ok, pour ne pas avoir une beauté là, allez. Donc, avant de le nommer, il a fallu prendre un décret pour balle décharge. C'était voulu? Avec plusieurs autres ministres qui étaient dans le gouvernement. Est-ce que c'était voulu? C'est pas. Mais bien sûr, parce que comment. Décréter pour Ariel d'où? Pour Ariel alors? C'est pour Ariel décréter. C'est Ariel qui, ah bon? Qui est premier ministre jusqu'à date. Mais non, mais nous avons une coïncidence. Est-ce que ce sont planifié bien? Je viens de connaître Ariel qui a un problème. Il nous a mis le premier ministre et puis il prend un décret. Non, écoute, par contre, c'est bien un problème ou pas un problème. Jovenel, le Jovenel nommé Ariel comme premier ministre, Ariel pas de gain de charge. On est gardé pour Ariel était ministre de l'Intérieur. Nous connaissons. Donc, monsieur, tu as besoin de charge. Donc, comme on va le nommer au monde, et vous connaissez, donc ça que tu as passé. Il a dit, mon cher, on a passé, problème parole en pile. Monsieur dit, mon cher, ma fond arrêté. Ma baye, tout le monde qui te servi l'État de 1991 à 2017, décharge à partir du moment que vous avez un rapport coup des comptes. Et c'est pour ça que vous avez un coup des comptes rapide, font rapport, vous publiez un sort son rapport pour Ariel qui sorti, que te bal, un rapport coup des comptes, on songe ça, qui balade sur les réseaux sociaux, l'idée de recevoir un rapport coup des comptes qui te permet justement de bénéficier de décrets. Que tu sorti. Donc, le décret, malgré que Ndegazi et la perception, c'est que le décret a fait pour Laurent Lamothe, mais en quoi est-ce que je bénéficie du décret? Je ne suis pas candidat, Ah bon? Absolument pas. Ah non. Ou pas candidat, mais pourquoi candidat? Je me servis pays, je me finis. Ah bon? Je me servis, je me finis. Mais ça, c'est ce que vous avez? Ou pas les candidats? Non, non. Oh oui, tout, chaque interview, je vais regarder notre interview. Depuis, Bernard dit, chaque fois, je vais poser la même question. Ah, ou pas candidat? Absolument pas. Absolument pas. Moi, mon pays, moi. Pour aucun poste. Non, aucun poste. Aucun poste. Ça veut dire que là. Donc, si Mathé, si tu dis ça, puis bon, il est peut-être côté Kagagé, moi, je suis avec Mathé. Et vous pas les bon, mais on connaît que en Haïti mon yo pense ça yo vle quelque a sorti yo pense ça yo vle mais moi dois répéter peut-être une vingtaine de fois dans chaque interview que me baille parce que essentiellement l'heure que me vini et comme premier ministre c'est un honneur pour me servir et moi était très fier que me servir mais moi fin servi et me fin baille ça me connait à la fois me quitter chance là baille jeune bah moun qui besoin ou même faire coup à aller près de vous. Moi même ça me voulait que c'est que pays a marché son haïtien mieux. OK, son haïtien mieux besoin que pays marché, pas besoin pays à dans état que là. Mais après voilà. Ça, est-ce que ça veut dire que on finit pour l'état haïtien, on finit. Mais maintenant, il y a votre bilan que nous pas capable questionner là rapidement avant que dans la section canadienne yo. Écoutez, ou d'où satisfait? Le pays est totalement insatisfait de votre gestion du pouvoir. Bon, Pabli, voilà, si vous m'avez dans l'opposition, c'est tout ce que pour pas satisfait. Ou pas, c'est moi? Non, attendez. Vous voulez dire que c'est l'opposition pas satisfait, c'est pas pays. Non, pour opinion, on prend deux exemples, par exemple. On garde sur deux bagages, par exemple, et c'est ça, c'est sur deux bagages à vous juger.
notamment la question de Petro-Caribé, normalement. 4,5 milliards de dollars, même un hôpital pas fait. En tout cas, il y a des pour moi. Je dis à ceux qui nous ont à l'hôpital, c'est ma amie pour l'aller. Et ou même tout ce qui est en Haïti, c'est ma amie pour aller. Ou bien pour le centre de Mengo, etc. Donc, à 4,5 milliards de dollars américains, après 4 ans, entre nous, on fait 2 ans et demi, 5 mandats et PHTK, mesdames et messieurs, et l'argent a été dilapidé. Regardez, là, on est dans un journaliste, là, on est dans la politique. Là. Non, on est dans la politique. 5 milliards. Ah, pas ça. Ah, mais corrigez, mais n'est pas politique, non. C'est ça, rapport. C'est ça, ma petite rapport qui soutient dans le Sénat. Donc, c'est pas de la politique. Bon, premièrement, pas sorti dans le Sénat. Je vais retourner sur ça avant. Le rapport Petro-Caribé a fait par deux mondes. Ok? Deux politiciens. Yunrele, Yuri Latortu, qui était candidat président. L'autre, là, il est Anel Belize. Ok? C'est deux mondes qui ont fait rapport Petro-Caribé. Donc, deux. Ah bon? Deuxième rapport fait, non, m'a venu, attendez, faut arrêter. M'a arrêté sur les faits. M'a pas pris considération, m'a arrêté sur les faits. Ressort sur les faits. Deuxième rapport, c'est sénateur Beauplan, qui était un et demi farouche du président Jovenel à l'époque, et de pouvoir. Ensuite, qui était Don Kato, ok, dans la commission. Ensuite, qui était Nenel Kassi, ok. C'est Mounsa qui était dans la commission qui préparait le rapport. Donc, ensuite, rapport ça, c'est ton rapport que, premièrement, que Yuri était préparé, qui a été rejeté par le Sénat, qui n'a pas adopté par l'Assemblée. Donc, ce n'est pas un rapport que lui. C'était un document, ok? C'est un document que deux mondes font et deux mondes que nous connaissons qui sont des opposants farouches, donc qui n'ont pas aucune objectivité. Donc, ça, c'est deux. Ensuite, je vais aller sur Chifflin. Chifflin, bah, j'aime 4,5 milliards, ok? Chifflin, 4,2 milliards. 4,2 milliards. Dans 4,2 milliards, là, attendez, dans 4,2 milliards. Non, pas grand peu de différence. Non, non. Excusez-moi, 300 millions de dollars sont différents. Oui, oui, bien sûr. Bon, voilà. Ok. On corrige, moi, donc, on va répéter ça. Non, mais en attendant que moi, je une confirmation, c'est 4,2. C'est 4,2 ou 10 liés. 4,2 millions, mais on met à la chèche. 4,2 milliards. Deuxième point pour garder, c'est que dans 4,2, ça, on a gagné environ près de 3 milliards et 2,7 milliards, pour être exact, qui passaient dans l'achat gaz. Est-ce qu'on connaît combien de gaz qu'on dépense chaque mois qu'on y a? Par exemple, qu'on dépense pendant 20 mois que Ariel et pendant 18 mois, bien 20 mois que le Premier ministre pour acheter gaz, on dépense. On dépense en moyenne de 100 millions de dollars par mois. Donc ça vaut 2 milliards. Différence là qui s'allie? Ça vaut 2 milliards qui dépense pour acheter gaz. Okay? 2 milliards d'acheter gaz seulement. Ah oui, bien sûr. Et mais Petro-Caribé, c'est saleté. Petro-Caribé, c'est ton programme acheter gaz. Alors, la différence, c'est que je ne veux dire, on continue à acheter gaz. Pas vrai? On continue à dépenser entre 80 à 100 millions de dollars américains chaque mois pour acheter gaz. Et ça, c'est ça qui prend le problème gaz que vous avez vu aujourd'hui. Okay? Parce que toute campagne de diabolisation qui est faite contre le pays Venezuela, contre l'achat Petro-Caribé, il vient mener nous à la situation qu'on vient aujourd'hui. Parce que, en réalité, qui soit bien, Venezuela qui s'est fait, devant nous gaz. Mais elle dit que dans le gaz que je vends, ma botte, on rabaisse 50%. Et c'est pas et qui a été signé à cause ça? C'est Préval qui a été signé. Absolument. C'est pas nous-mêmes. C'est pas BHT qui a été signé, c'est Préval qui a été signé. Moi-même, je dis que à l'époque, à cause ça, c'est ton accord qui était bénéfique pour le pays. C'est ton. Absolument. Un apport, je dis, de président Préval à l'époque. Donc, monsieur signe ça. Aujourd'hui, nous avons dernier 20 mois, il y a 2 milliards qui passent dans l'achat gaz seulement. Ok, là, on dit ok, on est d'accord 2 milliards. Qu'on a reste là. Qui ça fait? Non, ma bon. Qui ça nous quitter, par exemple, pour payer avec comme ça? Non, mais le premier bar, on voulait établir avec vous, c'est le chiffre. Parce que faut commencer sur un chiffre qui. Non, ou là, on va avancer sur le chiffre, on va avancer. Voilà. Donc, qu'on y a là, ou gagne, dans 2,6 ou 2,7 milliards qui étaient là, ou gagne, environ 400 à 500 millions qui passaient pour bailler EDH gaz. OK, pour bailler EDH gaz pour mettre dans Delco pour mon courant ou blackout ou salter mais qui calé dans EDH. Ensuite on a 200 millions calé dans Sogener. OK. Pour bailler Sogener à l'époque qui était bailler Sogener gaz pour mettre dans Delco. OK. Reste là
qui c'est environ 1,8 milliard à peu près, sur 10 ans, qui passait sous 3 présidents, près de 8 premiers ministres, avec 125 différents compagnies. Ok? Et 3 caladeurs, t'es contracté, m'te gardé 80% là-dedans, t'es contracté avant que m'te premier ministre. Ok? Donc, ça qui passe, c'est que Petro-Caribé, ok? Et puis, qui ça, ou m'en qui ça sorti, m'ka bon. Qu'est-ce qui ça nous quitte? M'ka voué une liste, m'ka voué une liste de bail, par exemple, m'a bon, m'a commencé par édifice ministère commerce là, côté HCTA, je veux dire. C'est Youn? C'est Youn. Intégré sur l'autre, coup de cassation. Et coup de compte. Coup de cassation? Oui. Yeah. Non, coup de cassation, c'est pas par les ministères qui ont la PTC, etc. Exactement. Il m'a confiné. Place oxygène, sinon. Attendez, ça me fait 31 mois. Ça veut dire que son programme qu'il a depuis 10 ans. Oui, il m'a regardé sur où? Sur une période pour là. Non, mais période par nous, son période de continuité et tout. Ndegadi, il m'a parlé ça l'autre jour avec mon camarade, mais son période de continuité de 3 contracts signés que nous continuons. Robin, il y a certains qui font, mais 3 caladins, c'est nous continuer. Ma bon, ou dis-moi ça, ma bon, place oxyde gentil, ok? Triomphe, bétonnage route, tout bétonnage route en Delmayo, tout bétonnage route Pétionville, et place Boye. Soit Jacmel même, ou Jacmel Lavalle. Ça veut dire que ma bon bagage à ça. Donc ça veut dire que, ok, bon bagage, avant continuer. Ma voix en liste exhaustive, ok, de tout ça que fait. Parce que, en tout cas, il y a deux bagages aussi, il y a trois bagages, moi, ministère de commerce, ministère intérieur, il y a encore un palais de ministère qui a fait. Il y a un triomphe qui fait, mais il y a son argent jeté, parce que le bagage est fonctionnel. Bon. Okay. Il y a deux bas. Il y a infrastructure, ensuite il y a gestion. Mais nous allons passer avec l'hôpital, bah, ça, yo, etc. Non, mais il y a l'hôpital. Écoute, ma bon bagaille. L'hôpital Simbi. De référence. L'hôpital général qui est écrasé. Ok. T'es un projet pour refaire l'hôpital là. Entre États-Unis, l'Espagne avec Haïti. Faut Haïti te baille 20 millions de dollars de contribution. Faut l'Espagne te baille 20 millions. Faut l'Amérique te baille 30 millions. Ok. Et mais c'est le monde qui finit par toute contribution nous-mêmes nous baille. Ça c'est pour l'hôpital général. Qu'on est à la fois qu'Amérique eux-mêmes te baille, faut que l'Espagne te baille. Or, ça devine crampé. Donc, bon paquet de détails que nous n'avons pas gagné. Ma bon exemple, l'hôpital Simbi Continental. Ok? Tout l'hôpital au Fatma qui fait. Qui l'a fait? C'est l'un de là. Ok? L'hôpital Simbi Continental. L'hôpital, mais sont malades, ils sont pas malades là-dedans, ils sont à Haïti. Non, mais écoute, Assad, écoute, bon réalité. Faut nous rester dans la réalité, monsieur. Nous, ou m'aide ma répondre. Parce que nous voulons répondre, j'aime dire, nous sommes mon 40e, ou vous avez répondre. Ou m'aide qui ça, ouais. Aéroport international, Port-au-Prince, là. Nous t'es passé là-dedans. Qui t'est écrasé. Vous avez fait une fête là, vous avez dit, vous avez dit, mais n'a pas d'infrastructure. N'a pas d'infrastructure. Sous quoi son cahier? 5 ans après, et toi tu as la coulée. Ok? Ou après, j'ai ça coulée, mais ça va bien dire qu'on va faire cahier là. Donc, aéroport t'est écrasé. Aéroport au Cap là. Ma bon, je voulais boire deux, trois, et puis après ça. Oui, ok. Ma bon, aéroport, Port-au-Prince qui t'est écrasé, nous obligés de faire. Pas de aéroport au Cap. C'était Préval qui était commencé avec Venezuela. Nous-mêmes, nous finissons. Mais nous remettons. Il n'y a pas d'existé avant. Aéroport et aéroport Guimalagne qui l'a aujourd'hui. Il n'y a pas d'existé avant. Ça fait 3. Ok? Quand on a dit, est-ce que c'est la map de bas qui fait pour l'utiliser aujourd'hui? Oui, ok, d'accord. Mais maintenant, j'ai l'impression que l'impact. La police, il m'a venu avant. La police. Ok? Si Magali, ok, que tout le monde a parlé de lui dans le pays, ok, si Magali. C'est nous qui t'achetons. Mais oui. Nous te commandons, nous venons après. Je ne vais pas parler de la loi à la mort. Ça dit l'argent bien dépensé. Base Simo. Ok, base Simo. Non, écoutez, est-ce que nous avons compris l'argent bien dépensé? Écoute. Pour Haïti, est-ce que Haïti tire avantage de comme ça? Est-ce que ça vous voulez dire là?
Moi-même, Haïti, qui t'aime beaucoup. Mais quel pourcentage? Vous quel pourcentage? Vous pensez qu'Haïti bénéficie comme ça? Ma bonne des faits, on était sur les faits. Haïti, le président Prévalte là, te gen un tremblement de terre qui crase le pays à hauteur de 15 milliards de dollars. Donc, pour ta essayer de arriver dans le même niveau que le te, avant que le crase, il faut avoir 15 milliards de dollars. Or, qui ça nous te gagne nous-mêmes à l'époque? Nous te gagne, j'aime dire, sous 10 ans, ma parole au Préval. Nous allons faire un chapitre ça rapide parce qu'il faut nous finir. Nous allons venir sur la question sanction. Absolument. Donc, pour nous bien, moi-même, ok, l'un de là, et pas oublier, n'allez pratiquement, nous pas être fini. Tout ça pour te finir, t'es fini. Toute volonté en te là, ok, pour finir ça que t'es commencé. Qu'on y a là, l'un malé, gon cassure qui fait, et gon paquet de projet qui paraît ici fini parce que le gouvernement qui vient après, il faut continuer. Ils font exactement, ils désaffectent plus que 550 millions de dollars que le mettent dans l'autre projet. Donc, c'est le projet fini. Par exemple, pour les aéroports au Cal, pas fini. C'est parce que ils ont retiré le budget que même ils ont quitté pour le fini. Ils ont retiré le budget, ils ont voulu dans l'autre projet. Aéroport au Cal n'a pas fait. Et puis tout le monde dit, pour les aéroports au Cal n'a pas fait. Babzou, ça fait 9 ans depuis que je suis là. Bon, mes amis. 9 ans passés. Donc, par contre, mon gars dit, bon, pour ça va finir l'aéroport. N'a pas fini, Laurent Lamotte, rapidement. Donc, question fondamentale pour répondre sur l'aspect ça rapide pour nous traverser. Et question ça m'a passé pour première fois pour répondre. Côté 25 stades, où t'es dit au fait? Bon, premièrement, je vais répondre ça plusieurs fois. Non, répondez pour moi là. Répondez pour moi là. Je vais répondre sur le choix. Yeah. Premièrement, contrat 25 stades, il n'y a pas de signé par moi-même, il n'y a pas de gouvernement privé là. Mm-hmm. Ok, avec on finit par tout le détail pour nous faire de manière cartésienne. Ça c'est un. Deux, film d'exécution de réalisé c'est comme ça pour 20 et puis 5 c'était un film et dominicaine qui est Adam. Ok, donc qui ça a fait? Donc tout le monde dit au moins dit faire 25 stades et puis qu'on y revient avec mon stade là et puis on prend et stadium Bernabéu. Ok. Et pas de stade, tu as parlé alors? Non, mais attendez, mais c'est ça, Mabdou. Mon yo, je me suis question que je me dis stade, parce que même, dans la conception, pas stade, c'est un terrain de jeu avec des tribunes. Ah bon, donc, dans tête pas son terrain de football, côté mon camper, garder, mais je suis à garder. Au parc sportif. Au parc sportif. Bon, Mabdou, la gagne. Donc, c'est pas un roi, il passe alors? Et pas stade, tu as fait? Non, ça, c'est politicien qui. Yo même pour des raisons mesquinerie politique essayer salmer faire moun comprendre que me dit me bah j'aime dit me besoin moun dit moi ça côté me dit que on me fait 25 Bernabé ou m'pas fou mon cher regardez mais on fait 25 stades vous nous interprétez ça ça moun est-ce que ça moun dit Bernabé ou parce que stade là pas un stade son parc son centre sportif et ben bon. En tout cas, non, imaginez, nous, le stade là, existe. Oui, absolument. Le stade n'a peut-être pas mon, là, on parle de Bernabéu, etc. Dans cet stade, c'est un conseil locator, etc. Alors, ce que vous parlez, donc, même c'est pas un loup, même vous avez parlé de centre sportif, c'est ça que vous voulez dire. Absolument. Donc, là, on va quand même, bon, ça n'est pas faute mon, non? Si dit stade, papa, c'est stade, oui. Non, mais ça, mais allez garder la définition dictionnaire du stade. Oui, un terrain de jeu avec des tribunes. Ah, mais n'importe quoi, de bout du stade, papa. Je conseille ça. Je conseille que, ok, peut-être que j'aurais dû dire parc sportif au lieu de stade. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que ça que tu es supposé construire, moi-même, je t'ai fait tout ça que je suis capable de faire pour te construire. Est-ce que vous construisez? On dit Santio, Parce que nous, on est là, c'est pas abandonné, qui va être comme ça, sont pas gaspillés. Non, il pas abandonné. Écoute, je m'en vais. Qui pas fini, c'est terrain seulement, etc. Non. M'abdou bagay, ou gen deux bagay. Premièrement, mwen te jwenn contrat signé par gouvernement Préval là avec Sekosa et puis te vin yon amendement fait pour Adam. Ça c'est un. Deux, kote, ba yon te gen tan, fi yon te gen tan choisi, avant de démarrer te gen tan, ba yon nou vini. Ok? Donc, qui ça nous essaye faire nous même dans le cadre de continuité de l'État? C'est fini, ça te commencé à. Mais c'est pas même qui choisit film, c'est pas même qui a fait deal. Et m'a pas dit qu'il y a un deal qui fait, non? Parce que m'a dit, on va regarder, je vous dis, est-ce que soit loi n'a mettre,
pas gagné, pas quoi dans mettre là. Soit à l'okay, est-ce pas impact. Il y a tout là. En tout cas, c'est pour dire parc. Vous avez dit parc, on va faire, vous avez dit stade, bon, c'est parc. Non, dis, non, mais regardez, son question de verbe. Oui, absolument, absolument, absolument. Pour haïtien, haïtien, vous dit stade de Westy Locator. Vous dit sans sportif de Carrefour, sans sportif d'Agadou, il va jamais parler de stade. Mais pensez de lui que j'aurais dû dire parc sportif au lieu que j'ai dit stade. Cependant, parc sportif, yo, yo bel et bien là, et c'est pour ça. Yo, yo, pas là, yo, pas là, non, yo, pas là, pas qu'à dire là. Non, 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 qui, qui côté, moi, Saint-Thérèse, par exemple, Saint-Thérèse, moi, elle a fonctionné. Ok, ou pas, Thomas 25, l'obas, ou pas, Thomas 25? Bon, bah, qu'on est, Thomas 25 a fonctionné, bon, monsieur, dit, mais fonctionné, Thomas 25, tout. Ok, bah, bon, toujours, Wanamet. Bon, bah, qu'on est. En tout cas, ça que c'est certain, c'est que. Non, 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 il est important, parce qu'on dit mieux par là. Non, mais on dit que, ok. Comment ça fonctionne actuellement là, dans le stade, dans 25 ans? Moi-même, l'homme t'a quitté en 2014, il y a 9 ans, t'a gagné 18, 17 ou 18 qui t'a fini, okay? Et puis t'a gagné 6 ou 7 qui t'a commencé pour aller fini. À l'époque, quand il y a Jean Lier Jodi, on ne connaît pas. C'est 6 ou 7? 6 ou 7, par exemple, ou gagné organisé qui t'a commencé, mais qui n'a pas fini. Mais quand c'est comme, il n'est pas fini, c'est parce que comme là, il est lié, comme ça, il n'est pas fini. Écoutez, comme là. Non, c'est-à-dire que, Abdou, bon, regardez, moi, je fais avance. Il avance à niveau que je paye, mais le gouvernement qui vient après, ou le ministre qui vient après, lui-même, il faut continuer à faire paiement. Parce que c'est comme si on a fait un carré. C'est comme si on a construit un carré. Ou pas payer un carré d'avance. C'est comme si on a fait un mesure à Bordeaux, à payer, mais si on a fait un carré Bordeaux, carré à camper. Donc, c'est pas non, c'est un programme ça, Olivier Matéli, tu travailles, tout, pas vrai? Olivier Matéli, au début, il était un programme qui était le football pour changement. Ok? Il était un programme le football pour changement. Et c'est un programme à l'époque qui était pour faire activité sous terrain, ceci, cela, bah, comme ça. Non, mais il était venu arrêter que non, non, il était géré stade. Et c'est comme ça, monsieur, prend pile comme de passer à Audi, monsieur, monsieur, bon, bagaille sous Petion Villa là, depuis à 30 ans, monsieur, qui ça. Monsieur Patap, je quand monsieur travaille pour une qualité comme ça, pour une qualité bagaille ça, monsieur Gon Jim là, c'est bagaille tête chargée. Il y a encore passé devant là. Moi-même, en tant que bon, tout comme ça. C'est le problème. Tout carré ça, ça fait. Ça, je crois que Olivier, pour grosse émission Gazette là, il ok, vient tourner là, je pense que Olivier qui a fait interview, ok, pour venir répondre. Mais bon, qui a signé un contrat, bah ou, qui ça fait, ok, et je pense que, bah ça yo là OK y a joué sur yo championnat vacances a joué sur yo championnat national a joué sur yo OK Gola 7 sur 25 7 sur 25 nous va faire moyenne nous. Mes amis attendez ça ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit entre désespoir de machination politique et les nazis mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat.